Bonsoir, tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Je me permets de faire cette vidéo pour avoir un maximum de partage. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une maladie. Cette maladie, et il y en a de plus en plus, c'est ce qui s'appelle la sclérose en plaques. Donc, je vous disais avec un petit sourire, parce que la vie, elle est belle, c'est que du bonheur. Mais tant soit peu, je n'ai pas envie de sourire. Alors, pourquoi je n'ai pas envie de sourire? Parce que ça va faire 6 mois que je n'ai plus de traitement. C'est-à-dire que je me bats contre personne, c'est-à-dire que je ne vois pas mon adversaire. Je me bats pour pouvoir rester debout, pour pouvoir marcher, pour ne pas être en chaise roulante, pour ne pas pouvoir plus pouvoir parler, pardon. Parce que la maladie, malheureusement, elle touche l'élocution. Pour ne pas être alité dans mon lit complètement, à être paralysé. Et je suis allé voir le médecin à Lille, dans le Nord Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France. Et puis, je n'ai pas le droit à un traitement. Alors, il voit bien que j'ai une aggravation sur ma maladie. Surtout le côté droit, bien sûr. C'est-à-dire que tout le côté droit, ma jambe droite, mon bras droit, s'empire. Je tremble de plus en plus avec ma main droite. Mais tant qu'il n'y a pas d'aggravation à mon IRM, je n'ai pas le droit à de traitement. Alors ma question, elle est bête, mais elle n'est pas anodine. Je suis français. Comme vous tous. Pourquoi je n'ai pas le droit à avoir un traitement? Ça, je ne comprends pas. Et pourquoi on veut donner des papiers à des immigrés qui, malheureusement, pour eux, n'ont plus de papiers, mais heureusement pour eux, ont toujours un téléphone portable? Ah, moi, je ne comprends pas trop. Alors, ce n'est pas du racisme. Je le dis direct, parce que je ne suis pas raciste. J'en ai rien à faire de tout ça. La seule chose que je demande, s'il vous plaît, c'est que vous partagiez un maximum cette vidéo, de façon à que j'aie un traitement. Parce que j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Là, c'est maman qui me filme. Pour ma mère, ce n'est pas évident non plus. J'ai deux enfants, Samuel et Isaac. C'est mes deux amours. C'est ma force de me battre aussi. J'ai une sœur, Sylvia, et un frère, Ludovic, que j'aime. Et je me suis fait peur. Hier, en été, je me suis fait peur quand je marchais dans mon salon, salle à manger. Je me suis vu à travers la fenêtre et j'ai fait waouh, putain, il y a un squelette! Et je me suis approché comme ça et j'ai vu mon visage. Et je me suis dit, ah non. C'est pas un squelette, c'est moi. Parce que je mange, mais je maigris. Voilà. Bon, d'un autre côté, ça m'a pas fait de mal. Mais là, il faudrait peut-être un peu que j'arrête de maigrir. Alors, je vous demande, Madame la ministre de la Santé, monsieur, messieurs les professeurs, de la sclérose en plaques, ainsi que les médecins de la sclérose en plaques. Donnez-moi ce traitement.
S'il vous plaît, j'ai une sclérose en plaques progressive, mais je n'ai pas envie qu'elle progresse de plus en plus. Merci, messieurs, dames. Je vous remercie énormément de partager cette vidéo. Bouton rouge.